song and no one listens. I need help, I'm falling again. Parmi les animaux des Pyrénées, on se doit de citer le blaireau. Le blaireau des Pyrénées est un blaireau européen. Mélès, mélès, qu'il soit basque, ariégeois, catalan, aragonais, c'est un mélès, mélès, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Costaud, il peut atteindre jusqu'à 70 cm. Poilu, velu, il porte beau avec un pelage rayé, noir blanc. Sa meuf est la blairelle, à laquelle il est plutôt fidèle. Et ses enfants, les blairotins. Des Pyrénées, il ne fréquente pas les cimes. Il ne fait pas non plus de luge. Et il n'a jamais dansé comme l'ours dans les petits villages. Sa passion, c'est de creuser. Il peut remuer jusqu'à 40 tonnes de terre. Et dans son château, sa blairotière, de génération en génération, il demeure. On ne le voit guère. Parfois, au bord d'une route, un cadavre. Quelques coups de griffe sur des arbres. Ses crottes, petites coulées, jus noirâtre, restes de baies mal digérées, de la crotte abondante et discrète, pas du crottin. Quelque chose qui fait envie, comme la confiture, mais qui n'envahit pas. C'est que le blaireau mange force B. Il ne dédaigne pas non plus les insectes, les vers, les larves, les champignons, les nids d'abeilles. Est-il nuisible? Certainement pas. Et pas si blaireux qu'on dit. Mais beau. Jean de La Fontaine, s'il en avait fait un personnage de ses fables, aurait dit de lui, ce blaireau vaut bien un hommage, sans doute.